Surpris! Ouais, je voulais laisser la musique, c'est pour ça que j'ai pas doublé le début. Alors, je parie que tu demandes où nous sommes, non? Si tu me rejoins, je te le dirai. Et voilà le meilleur perso du jeu, c'est Midona, bien évidemment. J'adore Midona. Clairement, c'est mon perso préféré de ce jeu. Hein. Voilà. Et parmi mes meilleurs persos préférés de la série. Eh ben alors, qu'est-ce qu'il y a? Viens ici, dépêche-toi. Si t'arrives pas à sortir normalement, cherche un passage. Ça veut pas forcément dire qu'il y en a un, mais bon, d'habitude, dans ce genre d'endroit. Ouais, il y en a là. Ok! Ouais, on dirait que tu es moins stupide que tu en as l'air. Tu me plais, je vais t'aider à sortir d'ici. Mais en échange, tu suivras mes instructions à la lettre. Tu as besoin de moi, appuie sur L pour me faire signe. Bien, tu as compris? Alors en avant toutes! Ah là là! Voilà, c'est la gimmick de Twilight Princess, évidemment. Link se transforme en loup, et avec Midona, évidemment. Bien, brave bête, quand tu as un problème, appelle-moi avec elle. Tu es toujours bien sage, genre je t'aiderai. Ah, et nous voilà donc dans le monde. Nous voilà quelque part. Bref, j'allais dire un truc, mais techniquement, on ne le sait pas encore. Mais clairement, l'ambiance n'est plus la même qu'il y a 10 minutes, hein. On peut pas passer par là. Voilà. Monter un peu mon micro parce que je me suis un peu éloigné. Voilà. Oh, tiens, tiens. Je vais te montrer quelque chose de très utile. Puisque tu as l'eau, tu devrais être suffisamment sensible. Affine tes sens psychiques et sois attentif. Oh. J'espère que je suis assez loin pour être en sécurité. Non, n'approchez pas, laissez-moi tranquille. Oh. C'était l'âme d'un soldat. Peut-être qu'elle vient de l'autre monde? Il y a encore plein d'autres âmes dans le coin. Aiguise tes sens et Kix et parle-leur. Peut-être que ces soldats savent quelque chose. Mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Balle de chemin en fait là. Ok. D'ailleurs, j'aime beaucoup me déplacer en Link Loup, même si les attaques sont limitées, voilà. Je vois que tu n'es pas encore habitué à ton nouveau corps, alors laisse-moi te donner un conseil. Souviens-toi de ce que tu faisais en tant qu'humain lorsque tu devais combattre. L'instinct de survie, ça ne s'oublie pas. Ouais. Oh, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais... Très bien. Ouais,
Ok. Je peux monter là ou pas? Là, je peux monter. Oh! What? Ok, il s'est barré à travers la texture. Très bien. Ok, y a rien ici. Ah, y a sûrement un truc ici. Voilà. Non, bon, faut jouer avec l'eau, voilà, tout simplement. S'il paraît de passer les pics. Ok, très bien. C'est quoi au juste ces monstres noirs? D'où ils sortent? Faut que je me tire ici et vite. La sortie. Où est la sortie? Ah, je me demande. Je l'ai eu? Ah, j'en ai eu un, mais pas deux, ok. Très bien. Alors. Attends, je venais d'où? Oh! Par ici! Je n'aime pas attendre, alors dépêche-toi de trouver un moyen de passer. Bah, je peux pas en fait. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu regardes jamais plus bas que ton museau? Fais un effort. Eh bah oui, je peux pas. Il reste là-bas. Il reste là-bas. Ok, très bien. Je vais mourir. Je vais putain de mourir. Oh là 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 là. C'est monstre noir, mais qu'est-ce que ça peut être? J'ai jamais rien vu de pareil. Ouais, allez hop. On ramène l'eau là où elle faut. Il manque un cœur ici. Yes. J'ai récupéré ma vie. J'arrive, Midona. Oula. Ok. Déesse, je vous en supplie, je ne suis qu'un innocent soldat. J'implore votre miséricorde, sauvez-moi des monstres noirs. Ah. Oh, on peut creuser là. On peut creuser, très bien. Les sens qui sont assez utiles, hein, quand même. Hein. Alors, ce détour, c'était comment? Chichichi. Au fait, tu aiguises bien tes sens avec X de temps en temps? Absolument toutes les âmes qui errent ici appartiennent à des soldats. On se peut bien se trouver en ce moment. Tu veux sortir d'ici? Alors, en avant toutes. Bon, juste un petit instant. Juste un petit instant. Voilà, c'est bon. Go, go, go. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une grosse tour.
Alors moi, je suis quelqu'un qui aime bien détruire les ennemis, hein. C'est moi après, hein. J'aime bien détruire les ennemis. C'est tout. Ah! Non, mais qu'est-ce que tu fabriques? Bah... Merde. Il faut vraiment tout expliquer alors? Je vais te montrer où sauter. Alors vise-moi avec ZL et appuie sur A. Hop là, voilà. Ok. Alors. Faites. Oups! On a juste à monter, hein. D'ailleurs, la caméra ici est semi-automatique, hein. On n'a pas tout le temps besoin de contrôler la caméra, hein. Enfin, on le fait assez rarement, à vrai dire. Parce que la caméra est très souvent bien placée. Contre les emmerdeuses là. Voilà. Bon, foutez-moi la paix là. Au fait, tu commences à avoir une idée de l'endroit où on est? Si. Bah, si tu vas jusqu'en haut, peut-être que tu comprendras. Ok. Oh! Eh ben, où sommes-nous? C'est toujours pas dit. Enfin dehors! Ah, regarde le ciel, les nuages noirs du crépuscule montrent aujourd'hui encore toute leur splendeur. Bon, maintenant tu sais où on est là, quand même. Toujours pas? J'ai envie de présenter quelqu'un. Tu vas venir avec moi jusqu'à la tour là-bas. Oh, est-ce que sur la mini-carte ça nous dit? Ah non, sur la mini-carte, c'est trois points d'interrogation encore. Donc on nous dit toujours pas là où on est. Ah, il y a une porte ici. Alors, d'ailleurs, le gamepad hein, qui est tellement pratique aussi, qui sert de minimap. Faudrait que j'essaie de remettre le gamepad en mode second écran et que je reprenne ma manette pro pour la Wii U. Ce serait peut-être plus pratique aussi. Mais bon. Tiens, il y a des âmes qui se prennent même ici. Tu as pas remarqué un truc bizarre? Ils arrivent à voir les monstres mais n'arrivent pas à te voir toi. Tu me crois pas? Eh ben vérifie si ça te chante. Ouais, bon, on va vérifier. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est que ces oiseaux énormes? Qu'est-ce qui se passe ici à la fin? C'est Château d'Hyrule ici, c'est pas n'importe où quand même. Eh ben voilà, on sait où on est. Ce n'est pas lui que je veux te faire rencontrer. Allez, un peu de courage, jusqu'à la tour là-bas. Yes. Oh les oiseaux trompettes là. Et bref. Ah. Oh non!
C'est un peu con là ce que je viens de faire quand même. Oh, attends. Je vais vous défoncer tous les deux là. Voilà! Allez, tu y es presque! Alors. Un peu de vie, je serais pas contre un peu de vie, hein. Ok. Oh, foutez-moi la paix là! Pas vrai ça, on n'est pas tranquille hein. On sait toujours pas où on est hein. Enfin si, on est au château d'Hyrule hein, mais voilà. Alors. Allez, on y est bientôt là. À Midona. Midona? Tu te souviens de mon nom? Je suis flatté. Ainsi, voilà la personne que tu cherchais. Ce n'est tout à fait ce que tu es tout, pas tout à fait ce que je voulais, mais bon, il fera peut-être, il devrait faire l'affaire. Tu étais prisonnier ici, n'est-ce pas? Je suis désolé. Le pauvre n'a pas l'air de savoir ni où il est, ni ce qu'il se passe. Tu ne lui expliques pas ce que tu as fait pour qu'on en arrive là? Tu lui dois bien ça. Princesse du crépuscule. Écoute bien, le royaume d'Hyrule était l'endroit où reposait autrefois la puissance des déesses. Mais le roi des ombres est arrivé. Un sombre brouillard s'est abattu sur le royaume et Hyrule est devenu le domaine du crépuscule. Le choix est vôtre, la réédition ou la mort? Un dilemme qui vaut pour tout le royaume d'Hyrule. La mort ou la vie?
Les sombres nuages du crépuscule envahirent alors Hyrule, et les habitants privés de lumière furent réduits en esprits désincarnés. Cependant, ils ignorent encore qu'ils ne sont plus que des fantômes. Ils continuent à vivre ce mensonge qui est devenu leur existence, rêve transformé en cauchemar par les attaques des monstres des ombres. Mais je reste la princesse de ce royaume, même dans sa chute. Je suis Zelda. Ce n'est pas la peine de faire une tête d'enterrement. Pour moi, c'est un chouette coin. Hyrule est juste passé du monde de la lumière à celui des ombres, c'est tout. Midona, les créatures des ombres sont partout à ta recherche. Quelle en est la raison? Bah ça, je me demande bien pourquoi. Le garde ne devrait pas tarder à faire sa ronde. Fuyez! Fuyez vite! Ah là là! Fuyez vite tant que le garde n'arrive! Ouais, mais d'accord, d'abord, c'est... Oups. C'est l'heure pour un épisode de déco! Alors voici une cheminée auquel je me brûle dedans. Des draps dégueulasses, ma foi. Oh, Zelda, elle a un lit quand même. Elle a un lit, il y a un cadre photo qui est vierge. Et elle écrit des trucs, visiblement. Attends, vraiment rien. Ok. Bon, allez. Zut, il est déjà là. Il a le feu aux chausses. Alors, tu as enfin compris où tu étais? Oui, oui, c'est bon. Chose promise, chose due, je vais te ramener là d'où tu viens. Mais tu es sûr de vouloir rentrer? Tu n'aurais pas oublié quelque chose de très important? Tu veux les aider? Oui? Alors je suppose que tu seras content que je te donne un coup de main. Seulement, il te faudra devenir mon serviteur et en tant que tel, m'obéir au doigt et à l'œil. Bah, rentrons et tu pourras réfléchir à tout ça à loisir. Eh bah putain.